Eh bien, salut, bonsoir, macho boys et sexy girls, et bienvenue sur Grand Theft Auto 5. Alors aujourd'hui, nous incarnons une prostituée pour étudier les hauts et les bas de cette profession ludique. Donc, tout d'abord, il faut que j'aille voir mon tuteur privé pour savoir comment attirer les yeux des petits pervers. Et selon elle, il faut fumer parce que ça montre que tu es mature, que tu as de l'expérience et que tu es prêt à avoir une nuit torride. Alors, Samantha, as-tu d'autres astuces pour moi? Ah, mais c'est simple, ma jeune femme chocolatée. Tout ce que tu dois faire, c'est montrer que t'es la femme la plus sexy au monde. Et pour ce faire, il faut que tu mettes en valeur tes bouboules en montrant qu'une petite partie ici et en mettant un beau soutien. Ensuite, il faut que tu montres ton abdomen, que tu aies des jambes de rêve. T'as des jambes de rêve, mais tu les caches avec tes potes, alors c'est pas si bon que ça, mais c'est acceptable. Mais surtout, il faut que tu aies un cul de rêve. Ça, c'est le plus important. Ah, mais j'ai un cul comparable à Kim Kardashian, alors je suis bien parti, n'est-ce pas? T'as tout compris, ma belle. Et maintenant, va au travail! Oh, merci beaucoup, patron. Et maintenant, je vais te massacrer parce que je ne veux pas que tu aies de clients. Écoute, la compétition, c'est mal. Eh bien, j'ai changé un peu mes vêtements parce que je ne voulais pas qu'on m'accuse de meurtre. Et maintenant, nous allons passer à l'action. Oh, regardez ça, il y a un mec qui est tout seul. On va s'asseoir avec lui. Et salut, mon beau. Hello, désolé de t'avoir pénétré avec la table, mais est-ce que tu voudrais bien avoir un petit service sexuel? Parce que je sais que t'en as besoin. Tu es seul, tu n'as rien. Oh! What the fuck? Non! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais juste demander au mec s'il voulait s'amuser avec moi pour 50$! 50$! J'ai pas demandé 59,99! J'ai demandé 50! Tu veux te battre? Oh, il a essayé de s'enfuir en faisant comme si de rien n'était, je pense, hein? Oh, prends ça! Prends un coup de talon dans les couilles! Ouh, that's it! Si tu voulais pas requérir de mes services, ça avait rien qu'à dire non, sale ingrat! C'est pas parce que tu es Ron de Harry Potter que t'as le droit de faire n'importe quoi, hein? Sale raciste, juste parce que je suis chocolaté, tu ne veux pas de moi! Policier, aidez-moi! Ils m'ont attaqué! Oh, oh, what? Non, non, hein? Hein? What? Non! J'ai rien fait! Hein? Je suis enfin revenu sur mon lieu de travail et tout ce que je sais, c'est que les policiers ont fait à leur con. Écoutez, c'est les deux autres mecs qui ont commencé la bagarre, c'est pas moi. Et on dirait que j'ai la peste parce qu'à chaque fois que je m'approche de quelqu'un, tout le monde fait waouh, waouh, waouh. Non mais, regarde! What the fuck? Attends, attends, attends. Il veut se battre ou quoi? Vous avez vu? Yo, juste parce que je suis une pute, tout le monde veut m'attaquer. Qu'est-ce que j'ai fait? Regardez ça, j'ai rien fait, je suis juste venu là, je voulais prendre un burger et lui il vient m'attaquer comme ça, c'est quoi son problème? Enfin, j'ai réussi à le semer en me cachant entre ces deux poubelles, mais vous avez vu ça? Dès qu'il me voit, il m'attaque et les policiers font la même chose, c'est quoi ça? Ils sont racistes, ils sont sexistes, c'est quoi leur problème? Mathieu, peux-tu me dire pourquoi je suis toujours le méchant dans ce jeu? Et salut toi, on dirait que t'es un bonhomme qui voudrait avoir un petit service dans une petite ruelle, hein? Hein? Non, tu veux pas de service? Tout ce que tu veux, c'est boire ton café! Tout ce que tu veux, c'est boire ton maudit café! Eh bien, puisque je suis une personne qui ne mérite pas d'être respectée et que tout le monde est hostile envers moi juste parce que je suis une prostituée, je vais foutre la merde dans la rue! Je vais causer le trafic, je m'en fous. En tout cas, les policiers, là, vont toujours dire que c'est de ma faute. Genre, si c'est quelqu'un d'autre qui cause ce trafic, ils vont dire « Hey, c'est cette fille qui a fait ça! Arrêtez-la, blablabla! » Non, c'est ça! Je m'en fous si je cause du trafic! Allez vous faire foutre! Un gros... Je crois bien que le seul endroit où je pourrais travailler en paix et avoir le respect des autres est dans ce strip club, alors j'y vais. Salut, baby! Je suis là pour travailler. Hein? What the fuck? Ouvre la porte! La sécurité s'enfuit! What the fuck? Mais pourquoi il y a un bonhomme de sécurité devant si c'est même pas ouvert? Non mais j'hallucine! Et en plus, il y avait une grosse réunion de bonhommes ici, comme s'il y avait une grosse fête ou quelque chose comme ça. C'est écrit « Wide Open ». Même pas vrai, vous êtes des menteurs! Ok, c'est le moment de se trouver des vrais clients. Ouh! Hé, non, non, tu veux pas de moi? Toi? Veux-tu un petit sexy time avec moi? Hein, monsieur? Tu peux abandonner ta femme et venir avec moi, hein? Non! Tu veux pas de moi? Oh, come on! Voulez-vous coucher avec moi? Non, j'ai pas demandé un taxi! Ah, c'est à cause de toi que j'ai pas de client, t'es trop belle! Prends ça! Oh, désolé, pas l'homme. Non, mais il y a combien de prostituées sur cette rue? C'est pas incroyable! À cause de vous, les blanches, je n'ai pas de travail, prenez ça! Je crois que je n'ai pas trouvé de boulot tantôt parce que j'étais dans un quartier riche, mais maintenant, je me retrouve dans un ghetto et les gens ont la même couleur de peau que moi, alors je devrais me trouver du travail maintenant. Salut les gars, un petit ménage à trois, seulement pour 50$. 50$? Eh oh! Eh oh! Et regardez mon cul, je suis Kim Kardashian, come on! Oh,
Je crois que je n'ai pas mis de vêtements assez osés, alors je suis revenu et là je leur montre mes bouboules. Oh, vous aimez ça, matez-moi ça. Hein? Oh, mais ces gars, ils préfèrent la drogue, c'est pas croyable. Je crois qu'ils ne me voyaient pas parce qu'il faisait noir. Et maintenant qu'il y a du soleil, ils n'ont plus aucune raison de m'ignorer. Alors je devrais me trouver du boulot maintenant. Salut toi, comment vas-tu? Est-ce que tu veux sexy time? Ok, ça me tente pas trop de le faire avec lui. Voulez-vous coucher avec moi maintenant? Et voulez-vous coucher avec moi ce soir? Oh! What the fuck? Je me colle mes bouboules à ton torse et tu oses me faire ça? Regarde, je suis en train de te toucher, te donner des services et ton chien! Wow! Ton chien m'a tâche! What the? Je voulais juste offrir mes services! J'ai faim! Je peux même pas m'acheter un hamburger chez McDonald's! J'ai besoin d'argent! Ok, bon, ça va faire. J'ai gaspillé 80% de mes économies pour changer ma figure au complète parce que les gens de cette ville sont racistes! Il faut que je devienne blanche! Les maudits connards ne veulent pas de noir! Je les déteste! Alors maintenant que je suis une blanche, que j'ai acheté une culotte et que j'ai de la lingerie qui prouve que je suis une pute, je m'en fous, je devrais pouvoir trouver un client. Et mon beau, ça te dirait pas de quitter ta femme pour venir avec moi? Hé! Hey, ça te dirait pas de quitter ta femme pour venir jouer avec moi? Oui ou non? Hé, hey, réponds-moi, arrête de m'ignorer! Oh! La femme est partie sans son mari! La femme! La femme a brûlé un feu rouge pour s'enfuir! Non mais y'a vraiment pas de chevalier galant dans cette ville, hein? Regardez! Les hommes attaquent les femmes! Waouh, ce gars! Wow, ce gars décide de prendre une photo de moi au lieu de jouer avec moi. C'est quoi son problème? C'est pas gratuit! Il faut que tu payes! Je crois que personne ne veut de moi parce que je ne suis pas assez exceptionnel, unique. Alors ce que je vais faire, c'est leur montrer que je suis la femme la plus unique au monde. Oh, et voilà! Surprise, motherfucker! Est-ce que tu veux de moi maintenant? Oh. Est-ce que t'as vraiment osé? As-tu vraiment osé me dire dickhead? Oh! Non! Reviens ici, toi! Attends, mais le bus est parti où? Ok, il est là. Je vais te massacrer, sale bus de... Oh, je crois que personne ne me veut parce qu'il y a trop de femmes sexy. Regardez ça! Elle a un gros cul aussi gros qu'un ballon de basket, tandis que moi, j'ai un cul aussi plat qu'une planche de cuisine. Tout ça, c'est de leur faute! Il y a trop de femmes sexy! Alors, il faut que je détruise la compétition au complet. Et pour ce faire, il faut que je détruise le strip club qui est juste devant ma gueule parce qu'ils ne veulent pas m'engager! C'est de leur faute, j'ai donné mon application ici, j'ai fait une entrevue et ils ont dit que je suis pas assez sexy. Et fait, prends ça, sale strip club de merde. Oh, tu crois que j'ai terminé mon boulot, hein? Non. Oh, what the fuck? Et qu'est-ce qui arrive? Ah bah, les femmes de plage, à cause de vous, je n'ai pas de boulot. Vous êtes trop sexy, retournez chez vous. Ah, désolé, je viens de rouler sur un client. À cause de vous, je ne peux même plus manger de hamburger chez McDonald's. Maudite craqueuse de diamants. Mais pourquoi personne ne veut de moi? Tout ce que je veux, c'est recevoir assez d'argent pour m'acheter un trio Big Mac. C'est quoi votre problème? J'essaie juste de faire mon boulot comme tout le monde. C'est juste qu'il y a trop de belles femmes dans cette ville. Je vous emmerde et je rentre à la maison. Comme d'habitude, il n'y a rien à manger ici. Même si j'ai un corps sublime, personne ne veut de moi. Écoutez, les services sexuels que j'offre sont les meilleurs et je ne les fais payer que 5 000 $ par soir. Et personne ne veut de moi. C'est quoi le rapport? Regardez ça, qui ne veut pas de moi? La leçon aujourd'hui est que même si vous voulez vendre votre corps, ça se peut que vous ne trouverez pas de boulot. Et même si vous trouvez des boulots, les pimps vont voler tout votre argent et le reste qui se retrouvera dans vos poches ira directement dans la drogue. Donc si vous avez déjà songé à vendre votre corps pour un salaire de cacahuète, pensez-y à deux fois. Donc si vous voulez supporter cette chaîne, vous pouvez partager cette vidéo sur Facebook, Twitter, laissez un petit pouce bleu qui pointe vers le ciel et surtout vous abonner à cette chaîne pour savoir quand je sors une autre vidéo tout en vous joignant au gang de couilles.